Bien changé, ces Chinois, d'ailleurs, à ce propos. Hein. Pour l'Ukraine, Yuri Ermakov au cheval d'arçon, c'est un des grands espoirs de la spécialité. Attention, Eric Poujade. Entrée directe. C'est l'athlète qui monte. En Thomas, série de transports. Transport vers l'avant, appelé une transport magyar. Ici, une combinaison en cercle sur un arçon. Légère faute de jambes. Voilà, on recommence une balade magyar. Bon rythme. Bon rythme jusqu'au bout. Attention, bon, il repart. Assez peu de difficultés jusqu'à présent, non, malgré tout. C'est vrai. Mais peut-être que l'entraîneur ukrainien lui a dit de limiter son mouvement. Ah, la TR, parfait. Voilà, belle sortie avec la valse. Alors c'est sûr que l'on ne réagit pas toujours de la même manière dans une compétition par équipe que lors d'une compétition individuelle où l'on joue sa place pour un podium, une médaille. Ici, il faut que chaque note compte pour l'équipe et il faut assurer absolument le passage pour que personne ne soit pénalisé à cause d'une mauvaise prestation individuelle. Voilà, les ciseaux. Jeune athlète qui vraisemblablement fait sa grande entrée au niveau mondial, puisque ces championnats du monde permettent justement d'amener 2-3 leaders, mais aussi 3 équipiers qui habituellement n'apparaîtraient peut-être pas dans les phases finales. Alors celui-ci, c'est un jeune qui vient des juniors et qui vraisemblablement va... Dans 2 ans,